Bonjour à tous, un tour en Ferrari, GTC 4 Lusso, le Skoda Kodiaq, les coulisses de The Grand Tour et une vidéo totalement déjantée signée Caterham, c'est le menu du jour. La FF n'est plus. Depuis le mois de mars, la version restylée de la berline 4 places, 4 roues motrices de Ferrari est devenue GTC 4 Lusso. Dans sa transformation, elle a hérité d'un nouveau look, mais pas que. Ferrari a également greffé des technologies novatrices, comme les roues arrière directrices, et poussé le V12 atmosphérique à 690 chevaux. De quoi toujours garantir un max de sensations à en écouter le récit de notre confrère essayeur de sport auto, Yves Bérozet. 4 roues motrices, 4 roues directrices, 12 cylindres, près de 700 chevaux. Pour une auto imposante, mais tellement fluide, tellement... Le confort y participe. Là, c'est, entre guillemets, je dirais, une limousine, très vive, mais que du bonheur. C'est très maniable, on ne se pose pas trop de questions. Il y a un petit peu des retours de direction, un petit peu collantes, etc. Mais bon, j'en ferai bien mon quotidien. Calmons de ce pas vos ardeurs, la GTC 4 Lusso ne se laisse pas dompter si facilement, mise à prix 266 196 euros, addition qui pourra vite grimper en piochant dans le catalogue des options. Faites votre choix, volant Alcantara à 900 euros, écran côté passager à 4200 euros ou encore toit panoramique à 14 000 euros et la liste est encore longue. Le Kodiaq, déjà à l'assaut des routes, et c'est en Norvège qu'il faut aller pour croiser le premier SUV de Skoda. Le constructeur y effectue en effet les dernières mises au point et réglages, d'où cette tenue de camouflage. L'occasion pour nous d'en apprendre un peu plus sur ce mastodonte, dont le look devrait être proche du concept Vision S. Avec ses 4,70 m, il est 10 cm plus court qu'un Touareg et 20 cm plus long que son cousin le Tiguan, à qui il emprunte ses motorisations. Au catalogue, 3 essences et 2 diesels de 125 à 190 chevaux. Selon les versions, le Kodiaq sera proposé avec une boîte manuelle ou à double embrayage avec 2 ou 4 roues motrices. À bord, en revanche, le mystère plane toujours. Il faudra patienter jusqu'au Mondial de l'automobile fin septembre pour tester l'habitabilité du SUV en mode 5, mais surtout 7 places. Ça s'active autour de l'émission The Grand Tour. Le nouveau show déjanté du trio Clarkson May Hammond est actuellement en plein tournage. En témoignent ces images, l'on découvre les ex-animateurs stars de Top Gear en séance de drift au volant d'une DB11 et d'une Challenger L4. On nous promettait de l'action et du spectacle, ça se confirme. Lancement du show à l'automne sur Amazon Prime. Et l'humour british, vous aimez? Alors vous allez adorer ce clip signé Caterham et publié à l'aube des vacances estivales. L'artisan britannique a parodié les démonstrations de sécurité des compagnies aériennes. Prêt à embarquer sur les lignes Caterham Airways? Alors un conseil, sanglez bien vos harnais. Bonnes vacances à tous et allez les bleus! Enjoy your flight. Thank you for choosing Caterham Airways. We hope you have a pleasant and enjoyable flight.